Comment devenir et être un excellent entrepreneur qui crée de la valeur ajoutée dans la vie et dans le business de ses clients et qui en retour est récompensé financièrement, relationnellement, matériellement, socialement, bref, qui est heureux au quotidien dans ses activités? C'est cette question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais réunir plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour vous partager ce qui, selon moi, vous permettra d'être un excellent entrepreneur passionné de liberté qui apporte de la valeur ajoutée dans sa vie, dans la vie de ses clients et qui transforme son quotidien. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Premièrement, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite recliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo en ce moment et que vous êtes en affaires, vous êtes entrepreneur et que vous voulez savoir comment vous améliorer et devenir un excellent entrepreneur, l'excellence, c'est un chemin vers lequel on tend, ce n'est pas une fin en soi, mais devenir cet entrepreneur qui a un véritable impact pour les autres et dans votre propre vie. Ou alors si vous êtes sur le point de vous lancer dans le business et que vous demandez comment faire pour rapidement vous ranger dans la catégorie du top 2% des personnes qui créent de l'impact et qui, comme un effet de boomerang, reçoivent cet impact en retour, je voudrais vous partager ici quelques points à pouvoir appliquer qui sont pour moi essentiels, leçons tirées de plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale simplifiées et synthétisées dans cette courte vidéo pour vous aider dans votre quotidien. Si vous regardez dans d'autres domaines de haute performance, là où on peut exceller en faisant des choses un peu différentes de la moyenne, par exemple dans le sport ou dans le milieu artistique ou dans la musique, ce que font les grands sportifs ou même les entraîneurs ou les coachs, c'est qu'ils vont répéter souvent des mouvements qui sont des mouvements basiques, des fondamentaux, parce qu'il faut pouvoir les maîtriser. Imaginez, avant de monter sur scène, une grande chanteuse, un grand artiste va peut-être entraîner quelques vocalises, des basiques, pour pouvoir se sentir beaucoup plus à l'aise, surtout de revenir dans cette base, dans cette maîtrise, dans cette dynamique. Vous verrez également les grands champions répéter des mouvements qui semblent très basiques, très simples, pour pouvoir justement ancrer ces mouvements et de se sentir vraiment dans la maîtrise totale en partant des fondations. C'est un peu comme si vous décidiez de partir pour une grande aventure, mais vous voulez être certain de partir de chez vous parce que vous savez la base d'où vous partez et vous pouvez aller comme ça n'importe où. Vous avez toujours ce point de repère essentiel à pouvoir connaître, à pouvoir maîtriser parce que lorsque vous êtes chez vous, vous avez cette grande maîtrise. Et maintenant, si on parlait de business, d'entrepreneuriat pur, la plupart des entrepreneurs qui veulent évoluer, progresser et devenir excellents dans leur domaine se concentrent uniquement sur les choses les plus avancées. Se concentre à aller chercher les dernières tactiques, les dernières techniques, les choses les plus complexes. Ça peut être au niveau par exemple de la vente, vont chercher des techniques très avancées, très poussées, des scripts très travaillés, beaucoup trop travaillés. Vont au niveau par exemple du marketing et de la communication aller dans des parcours de vente beaucoup trop sophistiqués. Au niveau de leur message, de la communication qu'ils font, ils vont aller dans des choses trop complexes et ils sont toujours en attente de la chose la plus complexe, la chose la plus compliquée pour pouvoir avancer. Et donc en conséquence, ce qui est fondamental, les basiques, ce qui doit être maîtrisé, travaillé encore et encore, est souvent mis de côté. Et malheureusement, lorsque l'on ne maîtrise pas, on ne travaille pas assez ces basiques, les fondamentaux, qu'on ne revient pas sur ces fondamentaux régulièrement, eh bien on risque de se perdre. Pensez à ces grands artistes ou ces grands musiciens ou ces grands sportifs qui, malgré toute cette maîtrise, reviennent et entraînent les fondamentaux, refont par exemple quelques vocalises de base avant de pouvoir avancer parce que vous partez d'un lieu que vous maîtrisez et que vous connaissez. Donc l'idée principale de cette vidéo, c'est au lieu de vous concentrer sur les choses les plus avancées, vous devez impérativement travailler vos fondamentaux, maîtriser ce qui est basique dans votre domaine. Il y a quelques éléments clés, on va en parler dans un instant, quelques ingrédients que vous devez maîtriser, travailler et traiter sur les basiques et les fondamentaux pour pouvoir y arriver. Si je m'arrêtais là, vous allez vous dire c'est bien, c'est pas mal, intéressant, mais il y a un mais, parce qu'il ne suffit pas simplement de travailler sur les fondamentaux pour pouvoir aller dans ce niveau d'excellence et devenir un excellent entrepreneur. L'idée et mes recherches et mon travail, mon expérience pratique m'a montré qu'il y avait un autre travail derrière. Il y a un objectif, une intention à pouvoir atteindre lorsqu'on travaille sur ses fondamentaux. L'idée, c'est quoi? C'est lorsque vous travaillez sur vos fondamentaux, il y a d'abord, vous allez le travailler de façon consciente. Vous allez travailler de façon consciente, vous allez réfléchir à ce que vous faites dans l'absolu. Un peu comme lorsque vous apprenez à conduire, vous allez réfléchir à appuyer sur la bonne pédale et ainsi de suite, donc de façon très consciente. Et puis à partir d'un moment, à force de l'avoir travaillé, à force d'avoir traité et travaillé ces mouvements encore et encore, vous allez commencer à les exécuter, à les appliquer sans
sans avoir besoin d'y penser, sans avoir besoin de trop réfléchir, parce que vous passerez de la partie consciente de votre cerveau à la partie inconsciente. C'est-à-dire que vous allez rendre tout cela en pilote automatique. Et c'est à partir de ce moment-là que vous devenez un excellent entrepreneur dans cette discipline. C'est à partir du moment où vous travaillez les fondamentaux, ces basiques, ces choses essentielles qui permettent d'avancer rapidement dans la simplicité à un niveau inconscient. C'est donc là la grande idée, le grand secret, c'est de revenir non seulement sur les fondamentaux, mais ensuite de travailler jusqu'à la répétition, jusqu'au moment où ces mouvements, ces actions deviennent pour vous inconscientes. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'effort, vous êtes dans l'inconscient apte, c'est-à-dire que vous ne savez même plus que vous savez le faire et vous atteignez donc un niveau de maîtrise et de facilité qui vous demandera tout de même, comme un grand chanteur, de pouvoir le répéter, de le réviser régulièrement, mais de façon très mécanique, cette base sera toujours ancrée et vous aidera à avancer beaucoup plus rapidement. La grande question, c'est comment rendre ça concret dans votre business aujourd'hui pour pouvoir appliquer ce conseil. La première des choses, c'est de comprendre que pour chaque business model, chaque affaire, il y a toujours quelques grandes activités comme ça qu'on est amené à faire pour pouvoir avancer et progresser. Posez-vous la question, si maintenant vous êtes consultant, vous êtes coach, vous êtes formateur, vous êtes dans le domaine de la transformation, un entrepreneur dans le business du service ou du partage, il y a des éléments qui sont importants pour vous. C'est par exemple la vente. Savoir vendre, et au sens le plus noble du terme, c'est par exemple connaître la base au niveau de vos chiffres, ou peut-être de savoir, par exemple, connaître le marketing, la communication. C'est peut-être un élément important pour vous. Imaginez, vous êtes conférencier, c'est peut-être savoir parler en public, maîtriser le stress, le trac, et savoir impacter, par exemple. Ce sont des choses qui sont pour vous essentielles dans votre domaine d'activité. Imaginez si vous êtes dans un autre domaine, par exemple, vous êtes dans le domaine de la prestation de services et que vous êtes dans le freelance, dans le développement. Ben oui, c'est par exemple, savoir coder, ou alors c'est peut-être être efficace sur un domaine spécifique. Il y a quelques grands points comme ça dans chaque activité qui sont, si vous posez la question, remplis de bon sens. Dites-vous, si pour être excellent dans ce domaine, qu'est-ce qu'il faut avoir comme type d'activité à devoir travailler et maîtriser? Quelles sont ces activités donc basiques? Et là, vous allez les trouver, la vente, le marketing par exemple, la gestion de peut-être des chiffres, de la compta, ou alors la gestion des chiffres pour calculer vos publicités. Bref, quelques éléments fondamentaux qui vous permettent de savoir quelles sont ces grandes activités pour devenir très bon dans ce domaine. Lorsque vous avez identifié ces activités, ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est pour chacune de ces activités, identifier les fondamentaux de ces activités. Parce que peut-être que la vente, c'est assez large, c'est assez vaste, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Vous avez besoin de vous concentrer également sur les fondamentaux, sur la base, savoir par exemple faire cette transaction, cet échange avec conviction. C'est par exemple si vous êtes au téléphone, c'est de pouvoir pas être la personne qui maîtrise tous les scripts les plus complexes possibles. C'est simplement d'être capable de pouvoir partager par exemple la grande valeur ajoutée qu'apportera votre solution et de pouvoir écouter, répondre aux questions, développer une écoute active. Donc c'est identifier pour chacun de ces points, imaginez la vente, le marketing, imaginez si c'est la production ou peu importe les activités que vous avez identifié au point numéro 1, c'est d'identifier les fondamentaux à pouvoir traiter et travailler. Par exemple, pour cette activité-là, que faut-il pour être excellent et tendre vers l'excellence dans ce domaine-là? Et vous trouverez comme ça, en pensant à d'autres personnes, si vous n'avez pas d'idée pour vous-même, pensez à une autre personne, dites-vous une personne qui excelle dans ce domaine-là, dans cette activité-là, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle doit savoir, qu'est-ce qu'elle doit savoir faire ou savoir faire faire. Et vous verrez comme ça que vous trouverez dans ces activités clés les fondamentaux des fondamentaux. Ça, c'est le point numéro 2. Ensuite, en point numéro 3, lorsque vous avez identifié premièrement les activités clés, ensuite les fondamentaux à travailler, à maîtriser dans ces activités pour ne pas devoir tout apprendre, tout faire, le troisième point, c'est de mesurer sur une échelle de 1 à 10 où vous en êtes dans chacun de ces points à travailler, à traiter, c'est-à-dire dans les fondamentaux des fondamentaux. Où en êtes-vous actuellement sur une échelle de 1 à 10? Ça vous permettra de savoir quelle est cette marge de progression que vous devez, évidemment, dans laquelle vous devez vous appuyer, dans laquelle vous devez vous investir. Lorsque ça c'est fait, point numéro 3, vous avez mesuré votre niveau. Le quatrième point, c'est de pouvoir établir un programme de développement. Un programme de développement, c'est par exemple, vous avez compris qu'il vous fallait ne pas vous concentrer sur tout dans l'absolu, mais sur quelques grandes tâches fondamentales. Et dans ces tâches fondamentales, vous avez trouvé quels étaient les fondamentaux à maîtriser.
Ensuite, point numéro 3, vous avez analysé où vous en étiez sur une échelle de 1 à 10 et vous étiez par exemple à 4, à 5 et vous savez qu'on doit apprendre ça. Il y a un plan de développement. Vous avez construit un plan de développement. Je dois me former, je dois être accompagné, je dois suivre tout ce que je vois ou je rencontre sur le sujet. Je dois inviter à déjeuner des personnes, des entrepreneurs qui sont dans ce domaine-là. Je dois lire des livres, je dois vraiment m'imprégner de ces points-là parce que ce sont les fondamentaux des fondamentaux. Et lorsque vous avez fait ça, le point suivant, c'est ensuite de vous entraîner chaque jour, tous les jours de votre vie, de vous entraîner en étant un éternel étudiant qui s'entraîne, qui pratique, qui répète. Imaginez, je reprends l'image de ces champions sportifs ou de ces grands musiciens, ces grands artistes à un niveau très élevé. Continuent-ils à s'entraîner ? La réponse est oui, vous le savez. Et donc l'entrepreneur, quand il veut jouer en haute performance et d'être un excellent entrepreneur, a besoin, même lorsqu'il est à ce stade-là, de continuer à s'entraîner. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'allez pas devoir vous entraîner sur tout et tout. Vous n'avez pas besoin parce qu'une journée passe très vite. Il y a tellement de choses à faire, on est tellement sollicité. Vous avez maintenant identifié les grandes activités, les fondamentaux à bien maîtriser, ces mouvements. Et ensuite, dans ces activités, vous avez identifié les fondamentaux à faire et à travailler. Cette vidéo, évidemment, en fonction de votre domaine, vous allez ranger, remplir les trous que j'ai laissés. Si je vous dis les domaines d'activité importants, si vous êtes dans tel domaine, c'est peut-être cela. Si vous êtes dans un autre domaine, c'est peut-être les autres. Donc, je vous invite à faire ce travail, cette part du travail pour compléter avec moi cette vidéo et d'identifier. Écoutez-la et à chaque fois, dites-vous quelles sont ces activités, quels sont ces fondamentaux. Et si vous ne savez pas pour vous, à chaque fois, projetez, pensez à quelqu'un que vous admirez qui est dans un domaine similaire au vôtre ou alors une personne qui excelle selon vous dans ce domaine. Que doit-elle faire? Que doit-elle pouvoir savoir? Et sur quoi se concentrer? Ça changera tout pour vous parce que vous deviendrez un excellent entrepreneur, celui qui tend vers l'excellence. Être et devenir, c'est quelque chose qui se cultive parce que le savoir-être est quelque chose que vous transmettez et vos futurs clients le sentiront, le verront, seront attirés par cette aura que vous aurez créée autour de votre entreprise, autour de votre message, autour de votre promesse, autour de votre accompagnement, autour de votre transformation. Et si vous voulez savoir comment dans notre entreprise, nous avons concentré l'essentiel de nos points de concentration, de ces activités clés sur le fait de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme et ensuite de leur créer de la valeur ajoutée haut de gamme, eh bien, je vous invite à une conférence en ligne dans laquelle je vais vous montrer exactement comment fonctionne notre entreprise, notre business, notre système simplifié autour des activités clés qui font la différence et qui nous permettent de tendre vers cette excellence de jour en jour. Eh bien, vous avez une invitation sur le i comme info si vous êtes sur YouTube ou c'était indiqué dans la description. Voilà, merci infiniment. Mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant comme ça le pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo, ça prend 2 secondes. Laissez-moi également au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi ce que vous avez trouvé le plus pertinent ou posez-moi une question. J'aurai l'occasion d'y répondre probablement dans une prochaine vidéo ou même ici au bas de celle-ci. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Là, le bouton rouge s'abonner. Voilà, je vous envoie toute mon amitié. Je vous dis à très bientôt. C'était Zik Okiax. Merci.